Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur la chaîne. En tout cas les amis, je vous remercie fortement pour avoir fait en sorte que la chaîne arrive à 3400 abonnés. Nous sommes presque à 3400 abonnés les amis. Alors n'hésitez pas bien sûr à continuer à parler de la chaîne, comme ça la communauté grandira. En plus avec les futurs jeux Dragon Ball qu'on va avoir. Pour cela, je n'en doute pas. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre soutien. Pour cela, c'est vraiment cool. Alors, je vais vous parler de ce qui va se passer en gros sur la chaîne pendant cette année 2019. Alors déjà, les amis, il y aura un peu moins, mais je dis bien un peu moins, de vidéos Dragon Ball Xenoverse 2. Je continuerai bien sûr à faire quelques combos. Je continuerai à faire, pourquoi pas, des builds s'il y a des mises à jour. Pourquoi pas même des futurs DLC, à continuer à faire des combos et même vous en parler, vous donner mon avis sur certaines choses. Dragon Ball Xenoverse, c'est vraiment le sujet principal de la chaîne. En gros, l'univers Dragon Ball, c'est vraiment le sujet principal de la chaîne. Mais en particulier, Dragon Ball Xenoverse. Mais pendant cette année 2019, il y en aura un peu moins. Alors, j'avais l'intention vraiment de me lancer sur Jump Force. J'ai vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses dans Jump Force, c'était un petit peu similaire à du Dragon Ball Xenoverse. Et franchement, ça m'intéresserait beaucoup de me lancer sur Jump Force, faire des combos, pourquoi pas faire des builds, faire le mode histoire et continuer à suivre le jeu avec les mises à jour et peut-être, pourquoi pas, avec les DLC qui arriveront dessus. Il y a aussi quelques jeux, alors j'attends d'en savoir plus sur ces jeux-là, j'attends la date de sortie et en savoir un peu plus. Je vous en parlerai durant une prochaine vidéo. Et concernant Dragon Ball Xenoverse 2, les amis, franchement, je vous remercie à tous pour votre soutien. Vous avez été là toute l'année à me demander des vidéos combo, astuces, build. Et franchement, vous avez toujours répondu présent. Et même ça m'a aidé à m'améliorer à moi en tant que youtubeur sur ma chaîne. Et franchement, pour ça, je vous en remercie. Bon, il y en a certains qui m'ont envoyé des insultes, vraiment des mots, on va dire, rabaissants un petit peu, mais moi, bon, ça ne m'atteignait pas du tout. Mais bon, je vous le dis maintenant, mais bon, ce genre de message-là, je cherche pas à comprendre, j'efface, parce que ça me, en fait, ça me permet pas à moi de m'améliorer, donc en gros, j'efface. Ça sert à rien, je me prends pas la tête avec ce genre de message. Bref, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne. C'est vraiment super cool de votre part, les amis. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Vous avez mes meilleurs voeux. Je vous dis à très très vite. Et merci pour votre soutien.